Salut à tous les amis, c'est Captain Geek. Nous sommes sur Men of War Assault Squad 2. Donc cette fois-ci, on va jouer les Anglais. On a déjà joué les Japonais, les Allemands, les Américains. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos pour voir un peu les gameplays de tout le monde. Encore une fois, on fait du 2 contre 2 avec un ordinateur normal. Donc il n'y a pas un challenge de dingue. Mais ça permet de voir un petit peu comment ça se passe. C'est surtout, voilà, comme je le dis à chaque fois, du gameplay, de la présentation. Allez, hop. Les cartes 2v2, à la dernière partie avec les Russes, donc prochaine vidéo les amis, on fera du 3v3, que ça bastonne un peu plus, on pourra même tenter d'augmenter un peu la difficulté, on verra, histoire d'avoir du challenge. On peut aller sur mine de Kanawa. Alors, on jouerait quoi? Anglais? Bon, pourquoi pas. Ouais. Ah, il y a une belle ville, Ramel en... Ouais. Allez, mine de Kanawa, ça a l'air rigolo ça. Alors, comme d'habitude, en face, on va se mettre du japonais. On pourrait se mettre deux japonais. On a vu deux allemands précédemment. Moi, je vais jouer anglais. Et je vais jouer anglais avec notre anglais, tiens, pour voir comment ça se passe. On met unité tout, sinon on est limité. Compétitif, c'est pour peut-être éviter certaines unités abusées quand vous jouez contre d'autres joueurs. Je sais pas, j'ai jamais trop su pourquoi mettre compétitif ou tout. On est toujours en 100 points, donc c'est vrai qu'on gagne vite. Ça fait des parties rapides, un petit quart d'heure. Hein. Allez, on va voir ça. Bon, allez, on regarde un petit peu. Les unités d'infanterie, ça reste classique. Toujours les petits bonhommes à prendre à part avec le Piat, infanterie anti-char. C'est fort le Piat, hein, faudra faire attention. Le fusil anti-char, bon, ben voilà, cool. On a comme les Américains, là, on a une Jeep. Je cherchais la dernière fois la Jeep. La Jeep normale, la Jeep anti-char. On va avoir mitrailleuse. On a le canon 2 livres hein, bien protégé, là, pas très cher. On va avoir le Tetrash avec les autres véhicules. La Valentine qui est bien blindée. Le Crusader AA qui est très fort. Dans Compagnie au Féroce 3, le Crusader AA est vachement fort en tout cas. On a les autres tanks. Le Crusader qui est un peu en carton. Le Cromwell qui est polyvalent. Le Matilda qui est très blindé. On a le Sherman. Le Churchill si on veut du super blindé. Il faudrait se tenter un Churchill. Hein. Le Comet, le Centurion. On a des très gros chars. Hein. En chasseur de chars, on a l'archer, comme d'hab. Et en chars spéciaux, on a le Black Prince, vachement fort, le Havre. Le crocodile avec le lance-flamme. Le tulipe, je sais plus trop ce qu'il fait. C'est sympa. Allez, moi je prends du retard, mais c'est pas très grave. On va sortir de l'infanterie. On n'est pas très cher, hein, infanterie 130 points. Et l'infanterie d'assaut 100 points. Je crois que les Allemands sont beaucoup plus chers. Hein. Oula, je me mets. Mais par contre, c'est à découvert un truc de dingue. Je vais me sortir un petit canon d'art de 2 livres là. Ça fera. Je sais pas ce que c'est en calibre. 40 mm. Allez, j'allais dire 45-50. C'est suffisant pour péter des petits véhicules. Oh là 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 là. Oui, oui, courez. On se fait défoncer. On s'est fait défoncer. On va lancer du fumigène avant de tous mourir dans d'atroces souffrances. Je sais pas s'il y a une pente là, un petit peu. Je sais pas s'il voit. C'est long à se mettre en place. Hein. Il voit rien. Ah, mercredi. Ah, c'est chaud de sortir une Jeep. Ah, il voit. Ah, il a vu le char. Il a vu le char. Feu. On l'a eu. Ah, énorme. Il a vu le char direct. Par contre, on a une quantité de fantassins. Il faudrait quelque chose, là. Un petit étrache. Et après, on va sortir des fantassins. Bon, l'ordi vient m'aider. Il y en a qui a survécu. Là, ouais, la mitrailleuse. Bon, voilà. Elle avait survécu. Il n'y a plus qu'un mec, quoi. Allez, le temps qu'arrive, on va se rapprocher. Parce que j'ai une petite pente, là. Je vois pas bien. Qu'ils ont des munitions. Ouais, il a les deux munitions. Hein. Ah, toi, j'aime quand t'arrives comme ça. Là, on voit. Allez, un peu plus près.
Je vais pas sortir de la milice quand même, hein. Sortir de l'infanterie d'assaut. Je vais les mettre là. Ouais, c'est bien qu'il y ait un peu d'infanterie, hein, parce que sinon ils peuvent se mettre invisibles les unités. Il y a un petit bonhomme qui pourrait contourner, on le voit pas, il me balance une grenade anti-char sur le côté, le tank est mort. Hein. Je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo avec le Puma, où c'est exactement ce que j'ai fait à l'ordi. Voilà, je suis passé dans son dos, une grenade anti-char, boum, plus de véhicule. Ça va les mecs, tranquillou? Un peu de couvert quand même, ça serait pas mal, non? Qu'il a vu lui. Ouais, il est vachement loin le char, je le verrai pas là. Bon, c'est parfait là, tranquillou hein. Qu'est-ce qu'on a, saboteur, ingénieur, un artillerie royale et tout, ok. Bon, moi j'ai le point là. On peut pas réparer un véhicule. Ah, on peut réparer le véhicule là. C'est quoi ce point en contrebas comme ça là? Ça me donne envie d'y aller moi. Avec qui? L'infanterie d'assaut, je vais les mettre là. Allez, ça arrive. Là, on a bien le point. Franchement. Avec mon poteau le tétrache. Ouais, on a bien le point. Par contre, ils sont vachement découverts. On va les mettre là. Allez, ça arrive. On va les prendre en contrebas là. Avant, sauf s'ils meurent tous avant. Faut que je mette le tank en soutien peut-être. J'entends un char. C'était un... Ouais. Ah oh bah tiens, oui. Il nous faudrait de l'artillerie un peu là, non? Je vais essayer de le réparer. Ah, il faut que je le fasse aller courir. Hop. Alors on va essayer. Puis je le rapproche, on a quoi en point? On va économiser, faut économiser. Je crois que oui, les Anzac, ils étaient super forts. Hein. Je vais les sortir. Oula, là, ils sont bien, là, comme ça. C'est énorme. Tous en pack. Un tir d'artillerie, sont tous morts. Ah, il y a un char, là. Oula. Ouais, faut faire gaffe, quand même, avec mon train de bonhomme, là. On va essayer quelque chose, je vais essayer quelque chose. Allez, galop. Pourquoi tu cours pas? T'es fatigué? Faut courir? Non mais vraiment là, genre quand il faut courir. Et t'y arrives. Oh! Ok, génial. Une petite Valentine. 650, hein. Je peux pas l'acheter. 23 points, j'ai pas assez de points. Je vais sortir un Valentine. On va le mettre là. Comment ça se passe en haut? Je répare toujours le char. Ce serait cool que je le récupère. Oh, le petit tétrache. Ok, génial. Merci d'être venu. Ah, j'ai pas trop surveillé les bonhommes là. Oui, il arrive lui. Normalement, il est super blindé lui, hein. Sérieux? Ok. Obus explosif direct. C'est du japonais là.
ton canon, je sais que t'es un peu long. Oh là là, le massacre. Allez, encore un. Il recharge vite par contre, hein. Des petits calibres, ça. Qu'est-ce qu'il fait, le PC? Il y a quelqu'un là-dedans? Je tire au pif. Des fois, on a des surprises. Ouais, voilà, il y avait un bonhomme là. Essaye, hein. Par où on descend là-dedans, là? Ah non, il m'a vraiment pété une chenille. Hein. Je sors un mec pour le réparer, mais ça va être super long. Bon, c'est là qu'il faut aller. Tranquille, il passe par là, lui. Ok, je les vois. Le char peut toujours jouer, mais voilà, c'est pas des réparations immédiates. Hein. On n'est pas dans certains jeux. Envoyeux, hein. Bon, là-haut. T'es réparé ou pas, gros, là? Ah ouais, ouais, je peux mettre des mecs. Équipage de char. Je peux pas, ça coûte trop. On va dedans. Toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a de cassé? On va regarder comme ça. Ah, il est réparé. On va mettre plein de mecs dedans. Bon, c'est bon là. C'est bon? Tout le monde est là? Super. Voilà, j'ai un char volé. Ouais. Avec la petite mitrailleuse arrière qui tire. Génial. Bon, on a du mal à gagner quand même. Hein. On dirait pas comme ça. C'est un peu tendu cette histoire là. Véhicule réparé, je viens de le voir. Alors. Hop là. On va l'envoyer là. On va envoyer deux gus en éclaireur. Là, il passe plus le PC. Hein. Là, ça passe plus, hein. Me renvoyer des mecs là-bas au fond. Ok, lui il défonce tout. Ils sont morts les deux mecs que j'ai envoyés ou ils ont fait un truc bizarre? Non, d'accord, ils sont morts, ouais. Pas envoyer des mecs là-haut. Là-dessus je mets. Oh bah, je le mets là, moi. J'ai 10 points. Qu'est-ce que je fais avec 10 points? Ah, je peux mettre un petit canon de 20 mm. Il y a un char là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est pas un petit ça. Ah bah oui, c'est pas un petit, il m'a flingué là. Ah ouais. On va récupérer ça. Je peux le réparer? Énorme. Faut que je le répare aussi. D'accord, j'ai compris. On va réparer. Voilà, il y en a un qui sort réparé. Après, il y a plein de fantassins, il va pas revenir comme ça. Bon, c'est bien, et en me tuant quelque chose, je peux sortir des unités, quoi. Opérateur radio. J'ai jamais trop vu ce que ça faisait. Je suis très curieux. Bon, on reprend le point là. Oula, la caméra qui bug. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je me rappelle plus ce qu'ils peuvent faire, les opérateurs radio, tout ça. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Bombardement. Ou rien du tout. Je sais plus ce qu'il fait l'opérateur radio.
Déjà, est-ce que c'est lui, quoi? On dirait que c'est lui, quand même. Ouais, ça, c'est les mecs qui le protègent, ça. Opérateur radio, c'est lui. Ah. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein? Je vois pas trop. Il faut qu'il se rapproche vachement près quand même. Hein. Je vais voir. Hein. Et alors? Parce qu'ils ont tous l'option bombardement. Ah bah oui. Bon, je suis en train de joyeusement bugger. Non, il peut pas. Je sais pas trop. Si quelqu'un se rappelle, ou sait, c'est encore mieux que se rappeler. J'étais quasiment sûr qu'il pouvait faire un tir d'artillerie, quelque chose comme ça. Ah, là, j'ai le gros canon, là. On va le mettre là, ça arrive en face, hein. Et ça se fait défoncer, hein. Ouais, faut faire gaffe. J'ai des mecs partout, là. Ils le voient pas, mais j'ai des mecs partout. Faut faire défoncer, quoi. Alors, ah, un petit Churchill. Voyons un peu. Ah, il est beau. Ah, et c'est pas un petit, hein. Avec son canon, son blindage bien, bien vertical, hein. Les ingénieurs à l'époque, waouh, quoi. Ils ont mis du temps à se dire qu'il fallait incliner, quoi, un peu. Bon, je sais toujours pas ce que tu fais, toi, et quoi faire de toi. Je m'en rappelle plus. C'est horrible. Oui, il est pas mal, faut voir un peu. Oh là 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 là. C'est une super cadence, hein. C'est très très fort. Allez, go. Oh là, on a gagné, hein. Elle est venue mourir ici, lui. D'accord. Voyons un peu. Pour le plaisir. Comment on voit un petit peu que ça perfore ou pas? Ouais, on voit quand même un petit impact, hein. On va pas me défoncer mon Churchill avec une grenade anti-char, quoi. Bon, mais c'est gagné. Opérateur radio, par contre, ouais, je pêche complètement, quoi. On peut remettre un 2 livres là-haut. Il est où, mon autre 2 livres? Ah, il est mort. Il est mort. Il était là où il y a l'explosion, je crois. Ok, donc lui a dû se faire tuer par un fantassin qui a dû lancer une grenade anti-char, genre lui. Il a combien? 25 grenades anti-char, lui? D'accord. Alors, bon, on a gagné, hein, c'était pas une grande surprise. On a le Tetrash qui a fait le café quand même. 33 bonhommes, un véhicule. Le Valentine, 15 bonhommes, un véhicule. Le Delivre, 2 véhicules. Ouais, voilà, les 3 unités qu'on a sorties, ça a fait un truc de dingue. Bon, j'espère que ça vous a plu. Prochaine partie, on va tester les Russes. On va faire un 3 contre 3 et ça va être un peu plus tendu. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air, à vous abonner et surtout à laisser un petit commentaire. À bientôt.